Activé. Voilà. Putain. Allez. Alors, tyrolienne à double sens. Ça, c'est bien ça. Ouais, tyrolienne qui remonte. Tiens, toi j'ai le truc à te vendre. Hop. Allez, pour 6 000. Et tout Ah, plein la de... prestige comme ça. Ah ouais, mais ce que j'ai fait un machin, je peux... Là, toutes mes armes jaunes sont passées en armes de base du coup. Bon, attends, ça change très vite. Ouais, non, mais j'avais les armes jaunes et elles sont passées grises. Tu vas acheter celles qui sont au truc des pacificateurs, elles sont en jaune. Elles sont niveau 5, je sais pas combien t'étais toi. Les armes 6. Ah, j'en ai encore pas eu des 6. Tout se passer en commun. Bon. Ah, ça Ouais, change. mais du coup l'arc que j'avais qui était oh, tiens. Redoutant. Ouais, mais l'arc était bien quoi. Et... Qu'est-ce que ça vend toi? H longue, massue longue. Moi j'en ai chié, mais j'ai fini. Fini le jeu, ça y est. Je tiens, normalement j'ai plus de quête principale. Si j'en ai encore une, aurait des chaussures. Mais oui, non, est-ce que tu choisis la fin que tu veux là? T'es en deux tours. Bon, si tu veux le grappin, si tu veux d'autres trucs. Donc je sais bien de pas vouloir aller trop vite. Oh bah après j'ai toutes les missions secondaires à faire, je vais Ouais, mais ouais, moi je vais devoir faire une mission secondaire avant de... Enfin, en faire un maximum. Alors je vais m'amuser à faire des... à visiter. Bon, mes tenues au moins c'est bon, ça les a pas reset. Ça me paraît bizarre que après la tour elle soit déjà. Donc tu choisis la fin déjà. Quel côté tu vas être?
Bon, pas même si les armes comme ça, j'en looterai d'autres, hein, de toute façon. C'est pas les armes qui manquent. Bon, alors. Un tasse de merde. Sur les toits, on raconte que Matt l'a engagé pour buter le colonel. Je sais pas qui a rétabli le courant, mais j'ai bien envie de le serrer dans mes bras. Quoi de neuf, Aiden? Mon pote! J'arrive pas à croire que j'ai vécu assez longtemps pour revoir l'électricité. Voilà, il y a eu la porte d'entrée. Hein. Là. Ok, bon, alors là c'est fait. Parce que c'est ce truc en placement. J'ai accueilli ces enfants chez moi. Et tu savais que la plus petite nous avait donné. Attends, j'ai mis ça en utilisé. Ouais. Niveau 11 endurance. Conteneur d'inhibiteur détecté. Yeah.
Ouais, mais elle tape que là, mon arme, du coup. L'arme qui tape. Ah ouais, là, grand coup de hache là. Les armes en tout cas. Ah, c'est Chou qui serait jaloux, hein. Ouais, et qui collectionne les lunettes. Hein. Ok, il faut que je remette du courant. Bon, on va aller à la cave alors. Thank you.
un parachutage. Une technologie militaire. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé un autre arc. Ah, je tombe bien, je tombe pile sur un autre arc. Voilà. Au moins déjà, hop, voilà. Ça marche. Dis-toi, je transmets. Liquidateur, réponds. Donne-moi ça. Tu sais pas comment ça marche. Tu dois appuyer sur le bouton pendant que tu parles. Laisse. Je le tiens, non? Est-ce que je ressemble à ce macaque de Kyle? Je sais comment ça marche, Fatine. Liquidateur, réponds. Et rien. Il faut appuyer sur le bouton, blablabla. Liquidateur, si tu peux nous entendre, on a remodelé la voiture selon ton plan. Plutôt, selon le plan du docteur Emmett. Ah, peu importe, Olga. L'important, c'est que ça a l'air de marcher. On est prêt à faire le grand saut. On attendra dans la zone désignée B613. On se retrouve là-bas.
444. Il y a un inhibiteur en plus. C'est fait aussi. Parachute terminé. Il y a un moulin ici, il faut bien que je le fasse. Faire un voyage rapide jusque là. Ces armes là, alors ça, ça. C'est pas tes affaires. Alors, 1, 2... J'avais presque n'importe quoi, me prendre ça à la place. Il avait fait 155 de dégâts, ouais putain, mais du coup il m'a foutu qu'à 40 de résistance le truc. Bon. Allez, fais dodo mon gars, jusqu'au lendemain matin. Sa petite crise.
J'allais... Box moulin. Toujours les zombies, ça ne fait que passer. J'avais déjà débloqué ce moulin. Ah mais c'est comme j'ai touché truc tout à l'heure. Eh, plus que nous deux. Ouais, c'est parce qu'on a entendu son jeu. Bah, il dit ouais, bah on entend encore son jeu quoi, c'est... Ouais, je sais pas ce qui se passe avec son micro, ouais. Ouais, mais moi on entendait pas, puis hop, d'un coup c'est arrivé. Ben on l'entendait souvent, puis ben là ça faisait un moment quoi, que ça... Puis tout à l'heure c'est bon, il n'y avait aucun souci. Oh. Aïe. On n'avait pas encore fait celui-là.
c'est là. Donc non. Aïe, putain. Je vais y arriver dans le dieu. À moi le boulin. Et un moulin de plus.
quelques structures en plus dans la zone. Plein de trucs à te vendre. Et c'est quelle heure ? 3h20 quand même déjà. Allez, on va prendre la mission là-bas. Moi je vais te laisser, moi je te dis à demain peut-être. À demain. Sera le tournant de cette guerre. Il paraît que les ingénieurs des pacificateurs travaillent sur des alarmes et des pièges électriques. C'est quand même bizarre, quoi, déjà à la fin. Ça te fait choisir la fin que tu vas avoir. C'est vraiment choisir son camp. Voilà, c'est réglé. Chut, moins fort. Parfois les murs ont des oreilles. Tu sais ce que c'est, Aiden ? On dirait des petites billes. C'est de la chevrotine ? On dirait des petites billes, c'est de la chevrotine. Dios, que triste. Ce sont des œufs, Aiden. Tes poules sont vraiment minuscules. Des œufs de poisson. Du beluga, plus exactement. Tout droit venu de la mer Caspienne. Ils sont considérés comme le seul véritable caviar au monde. Ils fondent sur la langue et permettent de savourer le parfum des vagues de la profonde mer noire d'une terre lointaine. Le monde déborde de choses magnifiques, de superbes sensations, de beaux garçons et de jolies filles. Mais les rustres dépourvus d'humour n'ont rien vu de tout ça. Ils tuent pour le futur et oublient le présent. Ils ? Tous les majormats de ce monde. Je t'en prie, accompagne-moi. Je me suis aussi occupé des lampes UV.
Est-ce que Matt t'a confié pourquoi il a besoin des lampes dans un lieu qui n'a toujours pas d'électricité? Et comment il compte procéder à cette mission suicide? C'est ce que je pensais. Contacte-le. Dis-lui que les lampes seront livrées à la station de télévision. Matt, les lampes sont prêtes et n'attendent que toi. Compris, Aiden. Bon boulot. J'espère que Juan ne t'a pas causé d'ennui. Juan a dit que la station télé n'avait pas d'électricité. À quoi peuvent bien nous servir ces lampes si on peut pas les allumer? Juan cherche à foutre la merde. T'en fais pas pour ça. Juan? Il aboie beaucoup, mais je peux m'en occuper. Excellente approche. Les chiens enragés doivent être tenus en laisse. Et quand ils essaient de mordre, le moment est venu d'abréger leur souffrance. Aiden, le moment est venu de se retrouver pour voir comment se débarrasser de cette sale antenne. Attends mon signal. Bien. Reçu. Comme tu peux le constater, Jack aime donner des ordres. Ne t'éloigne pas de la radio. Tu seras bientôt informé de la rencontre. Si on te chope en train de voler, on te coupe la main. C'est le seul moyen de faire régner l'ordre. Écoute, je vais devoir y aller. Mais c'était vraiment sympa. On va voyager dans toute la région. Manger de la nourriture pourrie. Et moi, on a fait des courses de contre-palais à l'heure du travail. Aussi puissant que ça. Ouais. Thank you.
se canader. J'ai honte de l'admettre, mais j'ai pleuré quand les lumières de la ville se sont allumées. Putain, je déteste ce bruit. Mais bon, c'est toujours mieux que de courir dans une cellule. T'es du côté des ennemis, Bella. Et un jour, ces poulets... Allez, j'ai quelque chose à te montrer. J'ai entendu parler de toi. T'aides les gens. Il m'arrive de filer un coup de main, ouais. Je te paierai, bien sûr. Je peux me le permettre. Tout ça est à moi. À moi et à mon père. J'ai pas vraiment besoin d'une nouvelle jupe, mais... D'accord. Dis-moi ce que tu veux. Ok. Mais ça reste entre nous. Papa doit pas le découvrir. Ah, alors tu comptes dépenser son argent? Pas du tout. J'essaie d'empêcher la nana de mon père de dépenser son fric. Elena. Elle le tient dans le creux de sa main. Ça fait qu'un mois qu'ils sont ensemble, et elle a déjà dépensé toutes ses économies. Il a même hypothéqué la boutique. Il faut l'arrêter, ou on n'aura plus rien. Prends ça. C'est tout ce que j'ai. Si ça continue, elle le tuera. Attends, attends, quoi? Le tuer? Comme elle l'a fait avec plusieurs de ses soi-disant petits amis avant lui. Ils sont tous morts peu de temps après être tombés amoureux d'elle. T'as des preuves? 4 cadavres, c'est suffisant. Tous ses ex y sont, sauf le dernier. Il s'appelle Josh. Il a réussi à échapper à ses griffes. Je parie qu'il pourra tout dire à son sujet. Trouve Josh, pose-lui la question. C'est peut-être la seule façon de sauver mon père de sa propre stupidité. Où est-ce que je peux trouver Josh? Il passe pas mal de temps chez Frank, à moitié bourré. Le plus souvent après le coucher du soleil. Mais je parie qu'il peut prouver qu'Elena est une meurtrière. Gaëtan survivra. Il est entièrement dévoué à sa tâche. Je pensais que les renégats n'avaient aucune chance contre nous. Mais maintenant, j'en suis plus si sûr. Toi, pas touche aux locaux. Ce bateau est la clé de notre opération. Un peu de quête annexe en tant que tu m'appelles. Yeah!
peu n'importe quoi. Mais tant que j'oublie de sauter. Le temps de se reposer. T'es sûr que tu sais ce que tu fais? La fatigue commence à tirer un petit peu. Qu'est-ce que tu as fait avec? Rien. C'est l'eau peut-être. Tu l'avais pour la première fois depuis un mois. Tu peux y aller, mais tu dois le signaler. Avec plus la même vivacité là. Ouais bah j'imagine là, le nombre de fois où t'es mort. TP, on va se stiller, allez, voyage rapide. J'espère qu'Aitor survivra. Il est entièrement dévoué à sa tâche. Cette quête là et puis on arrêtera là pour ce soir. Rainer attend juste un faux pas de Jack. Là je commence à avoir le méga coup de barre hein. Merci, c'est gentil de ta part.
Et voilà tes livres. Ce ne sont pas mes livres, mon garçon, mais les nôtres, ceux de l'humanité. Le monde entier souffle d'aise, sans même savoir pourquoi, et tout ça grâce à toi. Ce récit, ton récit, sera la prochaine grande épopée, et elle ne fait que commencer. Ah, la Bible. Enfin, voilà, c'est, disons, le livre. Hmm ? Peu d'ouvrages ont modelé le monde autant que celui-ci. Hans Christian Andersen et ses contes de fées. De grandes histoires de vertu et de ténacité. Des histoires pour les enfants, oui, mais d'une sagesse universelle. Tu viens de sauver l'inconscient collectif de l'Occident. Grâce à toi, le feu brûle à nouveau dans les tripes de l'humanité. Attisons-le encore, tu veux ? Talia est mon associée. Elle m'aide à trouver les collections de livres dans la ville. Elle t'indiquera les lieux à visiter pendant que je catalogue les livres que tu m'apportes. Allez. Voilà. Quête rendue. La suite demain. Là, je suis en train de sombrer. 4h moins 20. Et ça. Yeah. Allez, on coupe le live.